Ça te dit qu'on se lève? Ok, on est parti. Et coucou, alors aujourd'hui je m'apprête, enfin on s'apprête à partir dans ma belle famille au bord de la mer pendant 3 jours. En plus je vais pouvoir tester mon nouveau joujou, c'est la perche, la stabilisatrice que je vous avais montrée. Par contre là je me regarde, je viens de couper ma frange. J'ai mis de l'eau de Javel par terre pour nettoyer une petite tache, mais plus jamais en fait quand on a un chat. Regardez-moi ça! Tout à l'heure il a léché et là il se frotte dedans. Ça le rend dingue. Allez go! Le petit plaisir quand on part comme ça, c'est de s'arrêter, acheter des petits sandwichs, des boissons. Pause pipi obligatoire. Bonjour les tentations. Bon, ça y est, on est arrivé à l'hôtel. On est donc à l'hôtel Obis. Très sympa, chaque fois c'est là où on va. On est au Sable d'Olonne. Hein. Je sais plus si je vous l'avais dit. Il fait super bon. Il est quand même 4 heures, donc on va se dépêcher. Là, les gens vont à la plage. J'ai bien envie d'aller un petit peu voir la mer, faire des photos. Et dans tous les cas, ben, je vais continuer à vlogger. Et là, qu'est-ce qu'on aperçoit? Wow, cool. Ça y est, on est vraiment au sable. C'est dangereux de vlogger en fait, parce qu'on regarde pas trop à droite à gauche. Voilà, je suis dans une petite supérette parce que ce soir on va se faire un petit repas à la maison. Bon, je vais être honnête, il y a eu petit craquage. Ça fait longtemps, je les adore ceux-là. Ce qui est cool quand tu vlogs, c'est que tu peux dire que tu as besoin de tes deux mains et du coup, bah, tu portes rien. Et coucou, alors là je m'apprête à aller chercher le petit-déj parce qu'ils font pas de livraison dans les chambres, donc je vais le monter moi-même parce que j'adore ça, prendre les petits-déj bah, dans ma chambre, dans le lit. C'est super assuré. Ouais, voilà ma petite sélection. Il y avait plein de choses, il y avait du fromage, charcuterie. Non, franchement, c'était bien sympa. Et ça, ça m'a donné envie. C'est quoi? Fruits rouges, ouais. Et il y avait également carottes, mais avec de jus d'orange, donc ça, c'est trop acide. Bon, alors ce matin, je suis donc chez Jiffy parce que j'ai reçu une nouvelle carte cadeau. Et comme apparemment, j'y suis au Sable d'Olonne, il y a un grand Jiffy. Donc, c'était sympa de voir un petit peu ce qui est proposé. Ils ont des meubles super sympas, en plus j'ai envie de refaire tout mon salon. Je cherchais une petite table basse, mais ils n'ont pas tout quand même. Je crois qu'ils sont vraiment en train de tout réaménager, il y a des rayons vides. Je pense que c'est par rapport à la rentrée. Bon, je suis plutôt contente de mes achats, je vous ferai un petit haul pour notre heure et tout ça. Et là, ce midi, on va aller au restaurant. On est un petit peu en avance pour aller au resto. Comme on est juste à côté de la côte et que c'est quand même super joli, ça aurait été dommage de ne pas vous montrer tout ça. Alors là, c'est vraiment l'endroit où les bateaux du Vendée Globe arrivent.
ici. Et là, ce que vous voyez, si vous le voyez, le phare des barges, c'est le phare qu'ils voient au loin quand ils arrivent. Donc forcément, bah, ça leur fait du bien. Ils savent qu'ils sont sur la ligne d'arrivée. Franchement, on est fin août. Je suis là pour 3 jours, enfin, 2 jours pleins. Et je pensais pas qu'on allait avoir ce temps-là. C'est top. Et ça y est, nous voilà chez Loulou, Côte Sauvage. C'est joli. Bah, je vais vous dire, j'ai l'impression que la vue va être pas mal du tout. Golmio, ah quand même, Michelin. Et Carpaccio, je sais plus, Carpaccio 2, il y a du gingembre. Enfin bon, ça a l'air super sympa, donc ça c'est une petite mise en bouche. On voit des gens qui sont en train de pêcher des petits coquillages. Bon, on va dire que je fais la petite pause entr'acte. J'ai fini l'entrée, c'est délicieux. Il y a des associations de goûts, de la menthe, du thon, de la coriandre, du gingembre. Vraiment, c'est un régal. Et je suis contente de partager ça avec vous. Alors, comme vous avez pu voir, c'était, bon, vous savez pas, mais c'était extrêmement beau. Et j'ai rien trouvé de mieux pour diriger que d'aller faire un petit peu de boutique. Il y a des magasins que je trouve pas chez moi, et comme Morgane par exemple. Bon, on vient de rentrer à l'hôtel pour se poser un peu et regarder ce que je me suis trouvé. Cette petite merveille, ces nouveautés chez Morgane. C'est complètement mon style, je vais le mettre ce soir. Et surtout, quand je suis arrivée à la caisse, ils ont vu que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, donc j'ai eu 30%. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Et un petit rouge à lèvres. Donc c'est de la marque Sisley. C'est un Boom, un joli nude rosé, c'est carrément dans les teintes. Il m'expliquait en fait que c'était un mat, mais justement avec des agents très hydratants, je crois qu'il y a de la coco, ce genre de choses. Et voilà, c'est le numéro 19. Du coup, j'ai eu pas mal d'échantillons. Sisley, hein, très bonne marque, mais très chère surtout. Donc, il m'a expliqué notamment ça, parce que pour la peau déshydratée, c'est le sérum. Mais accrochez-vous bien, 180 € le sérum. Donc, j'ai dit bah merci, mais non merci. C'est vraiment l'heure agréable. On a le soleil qui se couche tout doucement, gentiment. Et là, les derniers baigneurs. Qu'est-ce que c'est beau, c'est reposant. T'as faim toi? Oh, non, non plus. On va manger au Pierrot. Je vous avouerai que j'ai pas faim en fait. J'ai pas vraiment digéré. Et c'est histoire qu'on soit encore, qu'on profite quoi de la. Du temps, du coucher de soleil, tout ça. Donc le soir, c'est fermé aux voitures, ce qui est plutôt très bonne idée. Ouais, bah il est blindé le Pierrot. Et ils avaient réservé tes parents? Non, on est des fous. Ah, mais ça m'a fait rire. À la vôtre, hein. Je vais me quitter la table. Il y a un orage, mais impressionnant, qui arrive. J'ai hyper peur des orages. Mais vraiment. Et je me dis qu'il va falloir. On n'a pas fini de manger. Il va falloir rentrer à pied. Bon, bah, du coup, il n'y aura pas de dessert. Je préfère partir, rentrer. Après, je vais peut-être me choper un petit dessert, une glace que je mangerai à la maison. Ouais, à la maison. Dans la chambre d'hôtel. Oh la vache, oh putain. Bon, quand même, avant de partir, je voulais vous montrer l'endroit qui est quand même magnifique.
Mais là, c'est pas possible. Il faut partir. Bon, ben voilà, j'ai pris mangue, Kit Kat, fromage blanc et pastèque. Là, la morceau de déco. Trop beau. Bon, bah au final, on est rentré vite, mais. Enfin, l'orage n'a pas encore. Elle n'est pas encore apparue, il pleut pas. Et là, je découvre en fait le petit jardin, on va dire, d'hiver de l'hôtel. C'est mignon. C'est très mignon. Et si ça continue quand même, il y a des éclairs. Oh, c'est chouette. Bon, allez, on va aller se reposer. Oh, c'est honteux. Oh, t'es pas doué. Oh, merde. Bonsoir. Le démaquillage. On va utiliser le lait d'anesse. Je vous en ai déjà parlé. Très très bien. Vraiment, en plus, il n'y a pas de parabène. 99% naturel, bio. Ensuite, je mets mon petit sérum. Je l'avais eu dans une box, celui-ci. Là, je vais mettre le fameux sérum hyper, hyper hydratant, le top du top, qui coûte 180€, donc j'ai eu que l'échantillon. J'ai ciselé. Le contour des yeux, d'ailleurs, il m'a dit qu'il fallait en mettre très peu, sinon ça fait des petites peluches quand on se maquille. Le baume de nuit, j'adore les baumes de nuit sur le visage. Repulpant éclat, voilà. J'ai attaqué celui-là. Je voulais un livre d'été, j'aime bien prendre ce genre de... Donc c'est un polar, Marie Jane Clark, hein. C'est pas mal, vraiment c'est ce que j'attendais, donc un petit polar, thriller, bien sympa. Et voilà, on est rentré. Jack ? Elle est où maman ? T'as retrouvé maman ? On était partis en vacances, mon Dieu ! Oh les beaux garçons, hein ?